قل يا أيها الكافرون. Signifie ô Muhammad, dis ô vous les mécréants. Et sachez que les mécréants cités dans cette ayah sont ceux qui avaient demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'adorer durant une année leurs idoles, et s'ils le faisaient, ces mécréants lui avaient dit qu'ils adoreraient Dieu l'année suivante. Allah a révélé cette sourate pour confirmer que cela n'allait pas avoir lieu. La a'budu ma ta'budun signifie je n'adore pas ce que vous adorez, c'est-à-dire je n'adore pas les idoles. Wa la antum 'abidun ma a'bud signifie et vous n'adorez pas celui que j'adore, c'est-à-dire Dieu m'a révélé que vous n'adorerez jamais Allah, celui que j'adore. Wa la antum 'abidun ma a'bud signifie « et vous n'adorerez jamais celui que j'adore ». Et sachez que l'intérêt de cette insistance est de couper court aux convoitises des mécréants et de confirmer qu'ils ont reçu la nouvelle de leur mort sur la mécréance, à savoir qu'ils n'entreront jamais dans la religion de l'islam. « Lakum dinukum waliyadin » signifie « vous avez votre religion qui est une religion fausse » et moi, j'ai ma religion, qui est la religion de vérité, c'est-à-dire l'islam. Et sachez que ce verset comprend le sens de la menace à leur égard et non pas l'acceptation de leur mécréance. Rappelez-vous que la seule religion agréée par Allah, c'est la religion de l'islam, c'est la religion de tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.